On a un individu âgé de 31 ans donc qui s'en est pris à des passagers, enfin des usagers de la gare, au moyen d'un couteau et d'un marteau, donc faisant un blessé grave qui est au bloc opératoire où on se parle et son état s'est stabilisé, mais son pronostic vital demeure engagé au moment où on se parle, et puis deux blessés plus légers, on peut même rajouter un troisième blessé léger puisqu'une personne était très choquée. Au moment où on se parle, il n'y a pas d'élément qui laisse à penser que ce puisse être un acte terroriste. Mais encore une fois, sur ces affaires, il faut être toujours très prudent, puisque les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire. Il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie, des investigations qui vont être faites sur son parcours en Italie, et puis il y a les déclarations qu'il va faire pendant son audition, et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas. Il faut toujours rester très prudent. Malheureusement, on s'habitue à ce genre de faits dans le monde. Donc, on est très vigilant quand on prend les transports. Maintenant, on n'a pas une psychose quotidienne. C'est vrai que quand on arrive à la gare de Lyon et qu'on voit le dispositif qui est installé, je sais que tout le monde essaye de faire pour le mieux, mais c'est toujours une crainte, surtout pour nous, pour nos enfants, la famille qui circule à travers les transports en commun. Mais on continuera à être optimiste et à se dire qu'on va réussir à vaincre ce terrorisme qui nous atteint tous les jours. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on espère que le suspect visiblement a été interpellé et que ça se passera bien, surtout avant les JO à Paris. On n'a pas été, je sais pas, été directement confronté à ça, heureusement. Mais après, c'est sûr que quand on voit un effet de panique, là, je suis humain comme tout le monde, donc on réagit en conséquence. Mais là, on reste vigilant, on va dire. Après, on a l'habitude à Paris d'être assez vigilant.